La compagnie de danse Axil est un des 10 organismes culturels dont le projet a été retenu pour être présenté pendant les Jeux du Canada cet été à Sherbrooke. Les Jeux financeront également des expositions, des murales collectives, des concerts et même une projection géante sur le lac des Nations. La compagnie de danse Axil offrira 5 représentations du spectacle Go et le public sera invité à participer. La création commence maintenant. L'idée, c'est qu'on est 4 chorégraphes. J'ai invité d'autres chorégraphes à se joindre à Axil pour préparer une pièce interactive. Ce qui veut dire que ça va être un spectacle interactif. C'est pas juste une présentation de danse, c'est une présentation sur les valeurs des jeux, la persévérance, le plaisir, etc. Et en même temps, qu'ils soient teintés des disciplines sportives. La Société d'histoire de Sherbrooke prépare de son côté une exposition de vos vieilles photographies de sport. Et nous, on veut mettre en scène les Sherbrookois en action. Donc, autant grand-papa qui jouait au baseball dans les années 50 ou qui était lutteur dans les années 60, ou jusqu'à la petite dernière qui joue au soccer avec ses amis actuellement. Donc, on veut avoir des photos, des vidéos aussi, si vous en avez, si la population en a. La sélection des projets a été réalisée par le Consortium culturel des sports, composé des principaux organismes à vocation culturelle dans la région. Bien, il fallait que ça ait un rapport avec les Jeux, avec la pancanadienneté aussi. En fait, c'est le dépassement de soi. Tous des thèmes qui rapprochent. Puis c'était vraiment le rapprochement entre le sport et la culture. Le collectif Mûrir, responsable des murales urbaines de Sherbrooke, participera également avec un projet qui repousse encore les limites. C'est une murale qui va rassembler quelques 200 tableaux réalisés par des artistes d'ici, mais aussi des artistes des 13 territoires et provinces du Canada. Donc, ces tableaux-là vont circuler à travers le Canada, vont être réalisés par des artistes comme tels. Pendant les Jeux, ils vont revenir ici. Il y aura un assemblage de ces œuvres-là qui sont des œuvres complètes et indépendantes par eux-mêmes. Mais une fois regroupées toutes les œuvres ensemble, ça va donner une autre image, un symbole des Jeux de Sherbrooke comme tel et qui va demeurer un legs comme tel pour la ville de Sherbrooke. Applaudissements.